Aïe, 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 ça y est. Ah, mais il est beau. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris dans le 13e arrondissement, je suis pas très loin de la radio. Je vais en profiter pour faire un détour par un nouveau fast-food apparemment. C'est une jeune femme qui s'appelle Nawel qui m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle était en train de se lancer dans l'aventure du fast-food et qu'elle avait créé un sandwich. Alors on me dit souvent oui, moi j'ai créé ceci, j'ai créé cela. Parfois il y a des choses qui ressemblent à d'autres. Elle me dit franchement faut que tu goûtes, je veux ton avis. Elle a l'air d'être emballée elle-même, elle s'est auto-emballée. Alors après, est-ce que je vais moi-même être emballé? On va voir exactement de quoi il en est. Apparemment, c'est dans un centre commercial, avenue d'Ivry, à Paris, dans le 13e. Suivez-moi. Bon, alors on m'a dit en face du Lidl. Or là, je suis devant le Lidl. Donc normalement, c'est là. C'est toi? C'est moi. Ah ben c'est toi, ben, elle fait genre, elle passe comme si de rien n'était. Comment ça va? Ça va. C'est toi Nawel? Ouais, c'est moi. Et tu m'as survendu ton sandwich, il a intérêt à être bon. Bah ouais. Ça s'appelle You. Et le slogan c'est vous n'êtes pas prêt? Yes. Ok. Et pourquoi on n'est pas prêt? Parce que vous n'êtes pas prêt, parce que c'est trop bon. Hein. Personne n'y a pensé, c'est archi bon. Donc ouais. Du coup c'est ton produit. Ce sandwich particulier, c'est le truc qu'on mange ici. Ouais, c'est ça. Du coup, le MechMech, le mythique pain perdu version salée. Tu fais un sandwich mais en mode pain perdu, c'est ça? Exactement ça, ouais. Ok, mais alors à la base c'est de la restauration ou c'est ta première expérience? C'est ma première expérience, ouais. Mais ça fait 10 ans que j'attends de trouver le produit idéal en fait. Je voulais un truc hors du commun, un truc qui change de tout ce qu'on mange d'habitude. Et bah je l'ai trouvé et je suis contente donc je me suis lancée. Et avant tu faisais quoi? Bah avant j'étais un peu dans tout, dans l'accueil, j'ai fait un peu de tout, je touchais à tout. D'accord. Et de base t'as bien cuisiné? Ouais, ça j'adore. C'était vraiment ton truc, genre ton but dans la vie c'était créer ton établissement. Le sandwich, le truc qui change un peu de tout ce qu'on mange tous les jours. Okay. Vraiment c'était ça. Le monde entier pratiquement et tout, et j'ai trouvé ça donc je suis super fière. Ouais. Génial. Bon, du coup, j'ai qu'une hâte là, tu m'en parles tellement. Maintenant, on va arrêter de parler. Ouais. On va faire, on va manger. On va faire et on va goûter. Pourquoi ça s'appelle le MechMech? Le MechMech, parce qu'en fait, c'est le sandwich qui m'a inspiré qui s'appelait le MechMech aux États-Unis. Alors, du coup, bon ben. J'ai gardé ce nom parce que ce nom me parlait, donc j'ai dit bon allez. Ok, c'est top. Bon, alors bien sûr, comme c'est une création, on va pas filmer la recette parce que sinon tu vas te faire. C'est ça. Tout le monde va te copier de ouf. Voilà, il y en a peut-être qui vont essayer là, essayer de voir par vous-même. Et ça arriveront pas. Hein. T'as déposé le truc? Ouais, j'ai déposé. Hein, okay. Le brevet, tout, la marque, elle m'appartient. Alors du coup, j'ai vu, on choisit. En fait, c'est on compose soi-même ce qu'on met dedans en fait. Ouais, parce que tout est bon en fait. Le pain est excellent, donc du coup tout ce que tu mets dedans. On met ce qu'on veut, aussi bien du steak que des merguez, que du. Après, on choisit son fromage. Bon, je vais voir ce que je vais mettre dedans alors. Alors du coup je fais une réunion avec moi-même, je commence par la sauce. Donc on va mettre Biggie. Biggie, très bien. Alors ensuite, choisissez la garniture. Alors, c'est quoi le mieux? Vous me conseillez? Ouais. Alors moi je dirais steak haché. J'allais dire steak haché. Bon, c'est très bien. Parfait, on est sur la même longueur d'onde. On passe au fromage. Au fromage. Alors, si on met cheddar, ça va faire comme un burger en fait. Oui mais le goût il est bon. Ah ouais? C'est moi qui décide. Allez, cheddar. Vas-y, cheddar. Et ensuite, une charcuterie. Ah oui, ça c'est le plus. C'est le petit plus. C'est le petit plus. On va mettre... Il est bon le pastrami? Oui. Allez, pastrami. Et là, on est bon. Et là, on est bon. Il n'y a plus qu'à laisser faire le chef. En petit choix, c'est frites maison ou frites normales. Je trouvais ça bizarre, parce que la logique, c'est de prendre frites maison. Oui, tout à fait. Mais il y a des gens qui préfèrent les frites pas maison. Tout à fait. Comme au McDo, comme dans les fast-food. C'est marrant cette histoire quand même. Hein. Bah moi, je prends maison. Eh ben, voilà. Alors, il y a des hot dogs aussi. Et voilà, le pain, il est super, il est big, la sauce aussi. Et... Ça te ferait plaisir que j'en mange un? Bah ouais. Moi je fais ça juste pour rendre service hein. Non. Juste je me sacrifie hein, je me sacrifie hein. Vas-y allez hot dog. Donc ça y est, c'est le pain. Ça c'est le pain perdu. Donc en fait tu l'as un peu préparé à l'avance et tu finis à la minute à la commande, c'est ça? Ouais, bah là je l'ai préparé carrément à la minute. D'accord, t'as carrément tout préparé à la minute. Et après tu le trempes quelque part comme comme un pain perdu. Ouais, je le trempe dans un mélange voilà, qui est fait pour un petit mélange pour préparer les pains perdus. Donc il faut trouver le pain et après il faut savoir vraiment le mélange. Ouais, c'est un mélange pain perdu classique ou il y a ta petite touche? Bah la petite touche ouais. D'accord, secrète. Faut que ce soit en mode salé. On va juste composer normal. Naturel. Je fais la sauce, je mets toujours au milieu parce que sinon ça peut déborder. Ouais, un petit peu de Biggie. Donc là, pour le coup, ce sera du pastrami. Ouais. Très bon choix parce que c'est justement ce qui a fait. C'est de là qu'est parti le sandwich. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a un sandwich très célèbre avec le pastrami. Ouais. Et du coup, je me suis un peu imprégnée de ça. D'accord. Pour en arriver à là. Un peu de cheddar et ensuite on attend le steak. C'est ça. Et hop, il est là. Il y a un petit raté mais c'est pas grave. le goût serait là. Donc là je le remets juste au chaud quelques secondes pour qu'il reste, pour que le fromage fonde. Donc là ça paraît tout bête hein, la compo, ça, vraiment sauf que c'est le pain qui va faire la différence normalement. C'est le pain qui est juste génial. Aïe 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 aïe, ça y est, les frites maison. Ah mais il est beau. Est-ce que tu l'as repassé un petit peu au chaud là? Ouais, ah il est bien doré. Et le hot dog. Et je commence par ça direct, il faut que je commence par le pain perdu, par le MechMech. Ah génial. Bon allez, on y va. Il est là. Donc regardez un petit peu la taille. Au niveau de la taille, ça a la circonférence un peu d'un pain à burger. Et donc c'est un pain rond dont nous ne saurons rien de plus. À vous d'essayer d'imaginer la recette. En tout cas, quand on regarde comme ça, c'est voilà, c'est croustillant, c'est toasté. J'ai mis une compo assez basique dedans qui s'apparente à une compo de burger. Avec le petit pastrami, ça va être pas mal. Et donc, on va voir si vraiment ce pain fait tout. C'est super bon. Regardez-le une fois croqué là. Il est quand même assez sexy. En fait, là, je le trouve super beau. C'est assez digeste en fait, c'est assez léger. C'est pas un gros pain épais de fou. Donc c'est bien. Après bon voilà, c'est pas non plus révolutionnaire, ça reste quand même assez classique, mais ça change un petit peu cette forme de sandwich de ce qu'on a l'habitude de connaître un peu à droite à gauche quoi. Il y a un vrai effort qui a été fait au niveau de la conception du pain, c'est pas juste achète, tu toastes et tout ça quoi. C'est très bon. Avec les petites frites maison là. Les frites sont bonnes. C'est une bonne alternative à tout ce qui se fait ouais. Donc ça existe aussi en double, je pense qu'en simple, il y a moyen qu'on ait l'appétit pour en prendre deux. Mais moi, j'ai voulu goûter le hot dog quand même comme elle me l'a proposé. Ça c'est plus classique, c'est pas une invention. Avec tes petits pickles d'oignon, j'ai pris le classique américain avec moutarde ketchup. Le pain est bien choisi, c'est un bon hot dog, normal. Après c'est clair que quitte à venir ici, moi je préfère prendre deux MechMech. Bon bah écoute, Nawel franchement, en félicitations, ça fait plaisir. Je m'attends, moi je pensais, c'est pas un pain brioché, je pensais que ce serait un pain brioché. Moi quand tu m'en as parlé, je m'imaginais un truc plus épais, toasté et tout, mais là comme ça, pour le coup, c'est vraiment digeste. Ouais. Et tu peux t'en manger un, deux, t'en fais même des maxi? Ouais, j'en fais des gros avec plusieurs viandes, genre deux steaks, cordon bleu, tenders. Ils sont vraiment balèzes, ça c'est pour les gros mangeurs, on va dire. Là, tu peux vraiment tout varier. C'est-à-dire tu peux changer la viande, changer la sauce, mettre du poisson. Il y a du poisson aussi? Ouais, il y a du poisson aussi. Du coup, il n'y a rien de... Il n'y a pas une sauce qui est vraiment imposée. Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu peux t'en faire... Il y a des variantes exceptionnelles. Ah, franchement, c'est bien. Tu t'es bougé. C'est ça que je kiffe, tu vois. Ouais. C'est pas genre, tu dis, je vais ouvrir un fast-food pour faire la même chose. Non. Là, t'as mis ta petite touche au moins. C'est clair que ça révolutionne pas la planète, mais t'as vraiment mis ta petite pierre à l'édifice. Ça révolutionne quand même le monde du fast-food. Ah, un sandwich au fast-food, au pain perdu, en France, il n'y en a pas. Et là, on compte ouvrir une chaîne et faire... Ah ouais, c'est ça? Ouais. J'allais te demander justement tes objectifs. Ouais. On va faire une chaîne axée spécialement sur les sandwichs pain perdu et avec des desserts aussi au pain perdu. Ah ouais. Caramel beurre salé, Nutella. Eh mais ça, t'as déposé l'idée? Ouais. Parce que là, si j'en parle, après tout le monde va vouloir faire ça. C'est une trop bonne idée. T'as les crêpes sucrées-salées, les gaufres sucrées-salées. Toi, tu veux faire pain perdu sucré-salé avec différentes recettes. Salé et sucré. Pain perdu, ouais. Et ça y est, ouais, c'est déposé, c'est bon. Ah, c'est ça, ce sera ça le nom? Ah oui, oui, hein, c'est le You, l'effet pain perdu. Eh, c'est pas mal. Ouais, c'est stylé. T'imagines? Si un jour ça cartonne, on se souviendra de cette vidéo. Bah ouais, et que ça a commencé là, ici. C'est ici, dans ce petit local. Mais... Ouais, du coup, alors les prix, c'est? Bah 5,90 le simple et 6,90 le double. Donc je trouve ça raisonnable. Ouais, non, ça raisonnable. Ouais, je suis pas vraiment là pour profiter. Parce que justement moi-même j'en avais marre des sandwichs qui coûtaient 10 €. J'ai mangé un burger à 10 €, ça va, ça me coupe l'envie. En tout cas vraiment bravo à toi. En plus c'était une fille, alors c'est pas du tout macho de dire ça, mais c'est vrai que moi j'en écume des fast-food et c'est super rare qu'à la tête du fast-food en région parisienne ou peut-être même ailleurs ce soit une fille. Ouais, c'est vrai que c'est super rare. Après, je sais que les clients ils sont plutôt contents en général de voir une fille. Ouais. Ça les change, ils voient des filles en cuisine, des filles qui prennent les commandes et tout. Ça change et puis je pense que c'est pas forcément un milieu masculin. Je pense qu'on a toute notre place là. Carrément. Mais pourtant dans les faits, c'est pas ce que tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon maintenant j'espère qu'il y a des filles qui vont se prendre en main et se dire allez, moi aussi je peux quoi. Girl power. C'est ce que j'allais dire, girl power, ouais pourquoi pas, attends. Et ce qui est marrant c'est que toi tu m'as dit que alors juste avant d'ouvrir ce resto, tu voulais faire un truc mais tu savais pas exactement comment t'allais le faire et 2 jours avant t'avais même pas encore choisi le pain. Ouais, c'est vrai. Mais par contre ça fait longtemps que tu veux faire des fast-food et tu m'as dit, alors il n'y a que toi, mais je te crois, hein, mais il n'y a que toi qui le sais, mais que t'as eu l'idée genre de O'Tacos avant O'Tacos. Ouais ça c'est vrai, ouais, je voulais faire l'O'Tacos en 2010 avant qu'ils ouvrent en 2013. Et je savais que ça allait cartonner parce que moi, la bouffe, bah, ça me connaît. Hein, j'aime trop manger, je suis une gourmande, j'aime cuisiner et tout. Et je savais que ça allait marcher. Après, bon, bah, voilà, j'étais jeune, je ne l'ai pas fait. Mais bon, après, quand j'ai vu à quel point ça a fonctionné, donc j'ai dit la prochaine fois que j'ai une idée, cette fois-ci, je m'y tiendrai, je foncerai et c'est ce que j'ai fait. Bonne chance à toi en tout cas. Et voilà le travail, heureux d'avoir découvert le snack de Nawel. Je suis toujours content quand voilà, je peux donner un petit coup de pouce, quand je peux mettre en avant des gens qui se bougent, qui essayent de faire avancer la chose dans le domaine aussi bien du fast-food que de la gastronomie. Là, en l'occurrence, voilà, elle ne s'est pas contentée de faire un truc qui existe déjà, même si ça ne change pas énormément la donne, ça fait une petite, un petit truc en plus, voilà, un petit truc que vous pouvez manger avec grand plaisir et je souhaite vraiment de pouvoir se développer puisque ça fait partie de ses objectifs. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. Quoi, Florian?